no way to go them no done. Don't make it you can you John. Aujourd'hui, comme promis, j'accompagne mon petit frère Simon à l'hôpital. Simon s'est fait mal en jouant au soccer. Sa blessure semble infectée et il a peut-être aussi besoin d'un vaccin contre le tétanos. Il dit qu'il n'a pas peur, mais il n'est pas pressé d'arriver à l'hôpital. Par chance, il y a un hôpital tout près. Les gens viennent de très loin pour s'y faire soigner. Mais Simon et moi n'y sommes jamais entrés. Qui sait ce qui se passe derrière cette porte? Le gardien commence à nous expliquer où aller, mais il doit nous quitter à cause d'une ambulance qui arrive. Nous tenterons de trouver notre chemin seuls. Beaucoup de monde. Est-ce que toute la planète est malade? C'est notre jour de chance. Christine vient de notre village. Comme elle a l'air professionnelle dans son uniforme d'infirmière. Christine va accompagner mon frère à la salle d'immunisation. Tous ces gens sont des membres de la famille des patients. Ils font la lessive et cuisinent pour leurs proches qui sont malades. C'est la façon de faire dans les hôpitaux en Afrique. Ensuite, Monica nous a vus. C'est notre voisine. Son fils Jerry est très malade. Il a la malaria. En Ouganda, presque tout le monde attrape la malaria. S'ils n'ont pas de médicaments rapidement, les gens peuvent devenir très malades, surtout les enfants. Beaucoup de personnes meurent de la malaria dans la région. Christine est sûrement très forte pour aider ses enfants tous les jours. Les infirmières et les médecins travaillent si dur pour sauver nos vies. Simon n'a pas voulu que je l'accompagne pendant la piqûre. Il a dit qu'il devait faire un homme de lui-même. Thank you.
Retiens ton souffle. 1, 2, 3. Aïe! Il n'y a que les bébés qui pleurent. Les gens qui travaillent ici sont exceptionnels. Christine m'a parlé de la docteure Lucille Teasdale du Canada. Elle, son mari, le docteur Pierrot Corti et leur ami, le docteur Matthew Luquia, ont consacré leur vie à sauver celle des autres. Je vais demander à Christine ce que je dois faire pour devenir infirmière comme elle, ou même médecin. Quand j'ai retrouvé Simon, il était transformé. Il a dit qu'il avait reçu sa piqûre sans broncher. Et parce qu'il a été très courageux, Christine lui a donné sa preuve de vaccination, un magnifique chandail. Simon a très hâte de rejoindre ses amis. Il est devenu une brillante étoile. Peu importe la grosseur de l'aiguille, il n'aura plus jamais peur des piqûres, ni de l'hôpital.